regarder la présentation. Moi, j'ai fait il y a très longtemps comme le match. Et disons, la deuxième partie de ma carrière s'est passée au CNRS, dans le domaine de l'histoire des sciences au Moyen-Âge, plus particulièrement les sciences d'expression et valeur qui est donc une spécialité. C'est à ce titre. Cela dit, je vais parler un peu des sciences, mais surtout de questions philosophiques, c'est-à-dire de l'espace. C'est là-dessus qu'on m'a sollicité, l'espace, le vide, l'infini. Je précise juste une toute petite restriction par rapport au descriptif que j'avais donné. Je me suis aperçu que si je devais évoquer aussi bien Philon d'Alexandrie, donc au début de l'ère commune, et puis l'auteur dont je vais vous parler maintenant, ça nous mènerait trop loin, ça prendrait trop de temps. Donc je vais me consacrer à ce thème qui est précisé dans le descriptif sur cet auteur qui est un rabbin catalan du 14e siècle et qui a apporté des choses tout à fait intéressantes dans le domaine de la notion d'espace, de la chimie, du vide. Et ce qui nous intéresse ici, si j'ai bien compris, c'est d'essayer de souligner, de pointer ce qui, dans l'ordre de la science et dans l'ordre de la religion, des choses prises en un sens assez large, il faudra préciser de toute façon, peut se répondre. Je reste sur cette expression un peu vague. J'avais utilisé il y a très longtemps pour désigner l'intérêt que j'avais porté à ces croisements l'expression suivante, on verra ce qu'elle voit, j'ai parlé de tension spéculative. Donc tout ça, ce sont des métaphores, donc on les a pas mis un peu à l'épreuve d'une analyse. Donc je commence tout de suite, tableau général, on va parler des notions d'espace, de lieu, de vide et d'infini au Moyen-Âge, et plus précisément dans le cadre d'une œuvre qu'a laissé ce monsieur que je vous présente maintenant, qui doit être bien peu connu. Bon, il s'agit d'un rabbin catalan du nom de Hasdai Crescas, qui était responsable spirituel donc, des communautés juives de Catalogne et d'Aragon à la fin du XIVe siècle. Si je parle trop vite, je peux le ralentir, et ça me reprendra. Ça va ? Pardon ? Plus fort. Plus fort, est-ce qu'il faut régler ? Non, on ne peut pas faire mieux. Alors, je parle plus fort. Donc, Hasdai Crescas, 14e siècle, deuxième partie du 14e siècle, Catalogne, Aragon, il est assez peu connu en dehors, mais certes spécialisé dans la philosophie juive médiévale aujourd'hui, et dans l'histoire, ou dans l'histoire des juifs en Espagne chrétienne, puisque nous sommes en Aragon et en Catalogne, à cette époque, c'est chrétien. Son œuvre proprement rabbinique est restée à l'état de projet. En revanche, il nous a laissé un ouvrage que nous appellerons philosophico-théologique, qui, malgré ses dimensions modestes, peut se comparer à un grand aîné, qui est le grand œuvre de Maïmonide. Tout le monde connaît Maïmonide ? Oui, je suppose. Maïmonide au XIIe siècle, Moïse ben Maïmon, et à Cordoue, et puis après diverses pérégrinations, va faire l'essentiel de sa carrière en Égypte. Et c'est sans doute un des penseurs rabbiniques, philosophes et médecins les plus connus en dehors du monde juif, à juste titre d'ailleurs. Mais on va voir que Hasdai Crescas va s'opposer aux enseignements de Maïmonide, qui est un peu présenté par ceux qui s'intéressent à la philosophie médiévale comme le héros à lutter, ou le reste, comme vous voulez, d'une philosophie rationaliste qui a tenté de faire place dans le monde de la pensée traditionnelle au savoir grégoire, pour dire les choses rapidement. Donc il va y avoir un point de conflit pas personnel, puisque Crescas vit plus de deux siècles après Maïmonide. Mais on va voir en quoi quelque chose est pointé ici qui est important. C'est au fond un paradoxe que la notoriété de Crescas ait été acquise historiquement sur le front philosophique, où il ne s'est engagé que sous la contrainte des événements. Quoi ? Quels sont ces événements ? Il y est entré pour défendre la tradition. Pourquoi la tradition était-elle menacée ? Ou bafouée, lui semblait-il ? Parce qu'elle lui semblait mise en péril à cause des excès de la spéculation philosophique,
Et de ce point de vue, on ne peut pas comprendre la portée, et même par certains aspects, l'audace des conclusions de Frescas que je vais essayer de décrire brièvement, sans les rapporter à deux faits majeurs de l'histoire culturelle et politique du judaïsme espagnol. Ces deux faits sont les suivants. La controverse suscitée par la diffusion des écrits philosophiques de Maïmonide, je préciserai, et les persécutions de l'été 1391, annonciatrices de l'expulsion finale des Juifs d'Espagne à la fin du XVe. Mais 1391, c'était très rude. Or, Crescas a été concerné directement, puisque c'était lui un des principaux responsables des Juifs du nord de l'Espagne, affecté même personnellement, puisque son fils y a été tué. Et c'est dans le bilan de ces persécutions, lui, il y a survécu, en partie protégé par la reine d'Aragon, qu'il s'est dit, mais quelque chose n'a pas marché, si, à part les persécutions, il y avait des conversions massives, forcées ou pas forcées. Et Frescas, il voyait là quelque chose, à tort, à raison, on verra ce qu'on peut en dire, quelque chose de lié à cette intrusion d'un excès de spéculation philosophique. Pensait-il, on résiste parfois moins facilement et que la religion de l'intellect n'est pas le meilleur bouclier contre l'apostasie. C'est un thème qui court dans l'histoire des religions de manière générale ou générique. Le guide des égarés de Maïmonide, dont il va être question, est rédigé en arabe vers la fin du XIIe siècle, en Égypte, par le dit Maïmonide, et cet ouvrage théologico-philosophique aussi, donc, qu'est-ce qu'il prend pour thème ? Oh, l'existence de Dieu, les attributs divins, la prophétie, le messianisme, la providence, et tout l'objet de Maïmonide dans cet ouvrage, il n'est pas le premier, même si son ouvrage est le plus célèbre de ce genre, ça consiste à dire ceci, c'est moi qui parle, cette puissance de vérité que possède les traditions des savoirs gréco-arabes doit pouvoir trouver place dans l'enseignement traditionnel lui-même, dans la pensée traditionnelle. Et donc tout son propos, c'est d'essayer de constituer et d'édifier cette place, ces contacts, en essayant de répondre aux questions suivantes, suscitant la perplexité, puisque son livre, qu'on appelle d'un très joli titre en français, Guide des égarés, c'est pas tout à fait exact, le titre arabe et hébreu, quand il a été traduit, c'est plutôt le guide des perplexes. C'est le guide de ceux qui sont à un croisement et qui ne savent pas très bien où aller. Alors, qui sont ces gens-là qui se trouvent à un croisement et qui sont perplexes ? Ce sont les gens dit Maïmonide dans son introduction, qui sont totalement cultivés, avertis des sciences, connaissant et maîtrisant les savoirs de la tradition, mais qui sont perplexes face à la lecture littérale des Écritures saintes. Autrement dit, comment peut-on, tout en respectant et en approfondissant le sens des Écritures saintes, leur donner un sens qui soit compatible avec, je mets des guillemets, la rationalité critique. Bon, ça c'est son propos. Alors, lorsque ce livre va être traduit de l'arabe en hébreu, au tout début du XIVe, du XIIIe siècle, en Provence, puisque c'est en Provence que un grand mouvement d'acculturation des savoirs scientifiques venus du monde des Juifs de pays d'Islam, c'est donc en Provence que, entre le début du XIIIe et le début du XIVe siècle, se constitue une littérature scientifique en Europe. Par scientifique, je désigne ce qu'on appelle au Moyen-Âge de façon très très large, c'est-à-dire ça inclut la philosophie rationnelle, bien sûr. Et lorsque cet ouvrage de Maïmonide est traduit, donc, de l'arabe en hébreu en 1204, par un traducteur fort connu, mais ce n'est pas notre propos de parler des traductions ici, c'est, selon une formule que j'affectionne, un véritable tremblement de terre dans les esprits. Les esprits qui étaient en mesure de lire ces livres et de les maîtriser. Et c'est-à-dire que, je dirais toujours en parlant de manière moderne, que les jeunes intellectuels, les jeunes lettrés de Provence, et d'ailleurs quand ça va se diffuser, reçoivent ça comme une ouverture, un élargissement, quelque chose de très excitant, toujours pour parler
dans notre langage aujourd'hui. Mais en même temps, se manifestent des réticences sur le thème, bon, mais est-ce qu'on va pas trop loin, mais est-ce que c'est une bonne chose d'enseigner la philosophie et la métaphysique à des étudiants trop jeunes? Bon, tout ça va faire l'objet de polémiques, parfois de controverses vives, parfois même sans doute un épisode un peu plus dur, puisque il se pourrait que, à Montpellier, vers le premier tiers du XIIIe siècle, on ait même brûlé des livres. Bon. Quoi qu'il en soit, cette situation va être beaucoup plus dramatique lorsque, excusez-moi, pour la période qui nous intéresse, c'est la fin du XIVe siècle. Donc, Razaï Kreskas, qui, ces dates, si je ne me trompe pas, je ne sais pas ici, ça doit être 1340, ça, et il va mourir en 1410, lorsqu'il a affronté les persécutions de l'évêque 1391, il se retrouve après devant, avec une communauté d'exemples, et devant aussi bien trouver à ressourcer sur le plan spirituel que sur le plan évidemment politique, social et culturel de la dite communauté. Et lui, il s'inscrit dans cette lignée des maîtres qui avaient mis en garde contre les excès, on mettra des guillemets si vous voulez, les excès de la philosophie. Et lui, il affronte une situation dramatique sur le plan politique et religieux. Donc c'est ses persécutions. Mais il considère, lui, que, je mets des guillemets, les élites intellectuelles, dans leur majorité, ont failli durant leur âge. Et il incrimine l'usage immodéré et mal maîtrisé l'usage mal maîtrisé de la philosophie dans cette faillite des élites. L'acteur a raison, on ne va pas se donner ce problème, mais on va voir comment ça va engendrer une entreprise, un projet que je vous décris maintenant. À savoir, il décide d'aller aux sources mêmes de cet égarement, se contentant pas de les dénoncer, ce qui avait eu un autre à Montpellier au fil de divers épisodes. Donc, il décide d'analyser les fondements mêmes de la raison philosophique d'origine grecque pour, dit-il, en dénoncer les pièges. C'est-à-dire, il ne va pas se contenter de dire « Non, non, vous autres, les jeunes gens de moins de 25 ans, vous n'allez pas étudier la philosophie hébreu, c'est entendu. » Non, il dit « Voilà, je vais consacrer un ouvrage, c'est ce qu'il va faire, dans lequel je vais étudier. » Et il va étudier Aristote. Et il va pointer certaines peines, qu'on va détailler un peu, et pour dire « Voyez, Aristote, et donc sous-entendu, Maïmonide aussi, bien sûr, sur les questions sur lesquelles il prétend apporter un éclairage scientifique, on peut les critiquer. C'est surtout cet aspect critique. Et donc, moi, je propose, et il va proposer des réponses sur la question de l'espace, la question du vide, la question de l'infini, la question de la pluralité du monde, des mondes. Il va proposer et articuler un discours qui est tout à fait intéressant. Bien sûr, plusieurs des conclusions que je vais vous exposer peuvent être apportées. C'est le travail de l'érudition textuelle à des sources qui peuvent être latines, qui peuvent être arabes, bien entendu. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de saisir comment le souci qui était celui de Kreskas, à la fois spéculatif, c'est entendu, mais aussi un souci existentiel, va accoucher de quelque chose, on verra si on peut l'appeler science ou pas science, mais en tout cas de formulation d'énoncés qu'on peut tout à fait à bon droit à considérer comme des énoncés importants dans l'histoire des sciences médiévales. Et donc, essayons de les préciser. Il y a une ou deux formules qui sont savoureuses, si je les retrouve. Oui, je vais pouvoir les retrouver. Quand il définit en début de son ouvrage, je vais vous dire le nom de cet ouvrage, l'objectif qu'il s'est assigné. Voilà, par exemple, parlant du maître, le maître, il s'agit de Maïmonide, il dit ceci, bien que les paroles du maître et même ces discussions sur les questions profanes nous soient précieuses, que nous les apprécions, néanmoins c'est la vérité que nous aimons le plus. A fortiori, si de ces propos, des propos du maître, il est possible d'être conduit à la profanation du nom. La profanation du nom, c'est ni plus ni moins
comme ça que dans la tradition rabbinique, on désigne celui qui sait, qui verse dans l'apostasie, c'est-à-dire qui décide de se convertir. Car s'il est possible d'être conduit à la profanation ou non, car pour nous, le principe de base est en toute situation où il y a la profanation du nom, il n'y a pas lieu de respecter le maître. La racine de ce fait, de cette situation, c'est intéressant de lire ces quelques lignes ensuite, c'est-à-dire de cette faillite, de ce qu'il pensait de cette faillite des élites intellectuelles, la racine de ce fait, c'est qu'il ne s'est trouvé personne jusqu'à aujourd'hui pour critiquer les preuves du grec. Il ne cite pas le nom d'Aristote, tel mépris. Les preuves du grec qui a obscurci les yeux d'Israël en ce temps-là qui est le nôtre, voilà pourquoi moi, dont les yeux ont été un peu ouverts dans cet art, c'est l'art de la philosophie, j'ai trouvé opportun d'exposer en un livre les racines et les fondements sur lesquels la loi repose en sa totalité et les pôles autour desquels elle se déploie, sans montrer dans cette tâche aucun penchant, si ce n'est pour la vérité. Mais ça ne nous intéresserait pas suffisamment, à savoir, disons, une dénonciation critique des thèses exposées par Maïmonide, des thèses du grec, si elle n'était pas accompagnée de la mention suivante, puisque l'objectif d'un ouvrage comme celui de Maïmonide, le livre des égarés, porte, comme je vous le disais, l'existence de Dieu, les attributs de Dieu, l'unicité de Dieu, la providence, etc., etc. Donc, lui, il se pose la question suivante. Il convient d'analyser si notre connaissance de la vérité de ce principe, l'existence de Dieu, repose sur la tradition, c'est-à-dire les enseignements de la tradition, seulement, à savoir la loi divine, ou bien si nous pouvons aussi l'acquérir par le biais de la raison et de la spéculation. Vous voyez, c'est là que se situe l'intérêt de cette rencontre. Et un peu plus loin, il est impossible d'arriver à une compréhension parfaite de ces principes fondamentaux, je répète, l'existence de Dieu, l'unicité, Dieu n'est pas un corps, donc. Il est impossible d'arriver à une compréhension parfaite de ces principes si ce n'est par la voie de la prophétie, en tant que les enseignements prophétiques sont attestés dans les Écritures et leur vérité confirmée par la tradition. Cependant, et c'est ça que je souligne, il sera montré que la raison spéculative est en accord avec ces enseignements. Quand même, non pas, qu'on s'entende bien, non pas de produire ce qu'on pourrait appeler une théorie scientifique, mais d'une part, de déployer un discours critique sur ce qui a été proposé, de pointer la possibilité d'un autre discours, même si ce n'est pas système contre système. Je reviendrai sur ce point. Alors, donc, l'objectif qu'il s'est fixé est le suivant, disqualifier les prétentions des philosophes à établir les dogmes fondateurs de la religion, d'autre part, exhiber des conceptions philosophiques différentes de celles qui structurent la science dominante et qui seraient, elles, compatibles avec les enseignements de la tradition rabbinique. C'est dans cette rencontre donc, que j'ai appelé il y a pas mal d'années dans un livre que j'avais écrit sur les problèmes de l'histoire infinie, la tension spéculative. Donc, ce qui retient mon attention, ce qui a retenu mon attention, puisque ça fait assez longtemps que je suis occupé de cette question, ce qui retient mon attention, c'est la tension spéculative qui naît de cette exigence que je viens de dénoncer, et ses effets, les effets de cette tension sur l'infléchissement qui s'opère à propos des thèses cardinales de la physique d'Aristote. Espace, lieu, vide, infini. Pour l'illustrer, on va décrire donc brièvement l'architecture de la notion d'infini telle qu'elle se dégage de l'exposé de Trescas. Alors ça suppose qu'on dise rapidement quelques mots de ce qui est visé, bien entendu, c'est ce qu'il fait lui aussi. Alors commençons par dire quelques mots sur l'idée générale de l'infini selon Aristote. Comme vous le savez, Aristote estimait nécessaire d'élucider la notion d'infini pour rendre compte valablement de la structure du monde. L'espace, le temps, le mouvement sont divisibles, et cette divisibilité n'a pas de terme. On dira que cette division se produit à l'infini, en grec, on dirait eisapeiron. Mais qu'entend-on par là, à l'infini? L'argumentation que développe Aristote le conduit à écarter l'idée
qu'il puisse exister un tout qui soit infini, un corps par exemple, mais un tout, de manière générale, dans la métaphysique. Il n'existe pas un tout qui serait infini, qui serait en même temps infini et qui serait en même temps un tout. Pour reprendre sa terminologie, il n'y a pas d'infini en acte. Je ne peux pas m'attarder sur les distinctions qui sont évidemment importantes et qui réclament d'être détaillées. Il affirmera toutefois, tout en affirmant qu'il n'y a pas d'infini en acte, c'est-à-dire une chose entière, une chose achevée, une chose parfaite, une chose finie, qui soit en même temps infinie en acte. En revanche, il postule, il affirme l'existence d'un infini en puissance. Un infini en puissance se manifestant, par exemple, dans la possibilité qui existe quand vous divisez un segment en deux, faites le geste, divisez une moitié en deux, et puis les deux moitiés que vous avez à gauche en deux, etc., 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 cette virtualité de la division n'a pas de terme. D'accord ? C'est là que gît la théorie de l'infini en puissance chez Aristote. Bon, de la même manière, de la grandeur, je répète, prenez un segment de 1 mètre, vous divisez en deux, un demi-mètre, vous divisez la moitié du gauche, vous avez un quart, etc., etc., un sur deux puissance 2, un sur deux puissance 4, un sur deux puissance 7, etc. Cette dichotomie, là on a pris un demi, on peut prendre un tiers, bon, cette dichotomie n'a pas de terme. C'est là que gît l'esquisse de la théorie d'Aristote. Il récupère à partir de là ce qu'il appelle l'infinité en puissance du nombre. Il sait très bien, comme tout le monde, que quel que soit le nombre qu'on considère, si on ajoutait, on a un nombre plus grand. Mais contrairement à ce que nous pouvons penser, nous autres qui sommes très savants et qui avons connu mon corps et d'autres choses, il récuse l'idée qu'il puisse y avoir un infini dans le nombre. Il n'y a pas un nombre qui serait infini en acte. Il y a la possibilité d'augmentation, certes, mais cette augmentation qui est virtuelle ne peut pas produire quelque chose qu'on appellerait un nombre et qui serait en même temps infini. Alors, juste, puisque l'exposé n'est pas consacré à Aristote, les principales conclusions d'Aristote sans évidemment les valider. L'univers est un corps plat. Il n'y a pas de vide. C'est la traduction de cette affirmation, l'univers est plat. L'univers est clos. Ses dimensions sont finies. L'univers est fait de sphères emboîtées les unes dans les autres. Au centre, la sphère de la Terre, qui est fixe, puis la sphère de la Lune, qui se meut autour de la précédente, étant elle-même soumise au mouvement de la sphère qui la couvre, celle du Soleil qui l'enveloppe, et la dernière des sphères, celle que nous suggère la boule céleste, est mue, elle est mue, anticipe passer les heures de voir, par un premier moteur, qui a cette particularité qu'il est immobile. Ce moteur immobile, au sens propre, au sens figuré, fait tourner le monde, c'est-à-dire les sphères célestes. Et c'est ce moteur qui est une cause, ce que Aristote appelle la cause sans cause. Autre affirmation que je vous donne à titre dogmatique, l'univers est unique et l'univers est éternel au sens précis où il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de cause monodique chez Aristote. Le monde a toujours été là. Ce que se propose Aristote, je ne sais pas rien, c'est d'expliquer comment il tourne. Et ma foi, avant, son programme était assez puissant pour que pendant 17 siècles, en tout cas jusqu'à la Renaissance, ce sont ces théorèmes à lui qui ont dominé l'idée du monde. Alors, Maïmonide, dans cette perspective, résumé dans son guide des égarés, Maïmonide, 12e siècle, il est éduqué dans la science d'expression arabe et les textes grecs importants sont traduits. Je passe sur les sources de Maïmonide, bien entendu, mais donc, dans son guide des égarés, il dit « Je ne vais pas m'occuper à démontrer les choses qui l'ont déjà été ». Il résume, en particulier dans le livre 2, en trois parties le guide des égarés, 25 propositions qu'il considère comme étant des prémices indispensables et à partir desquelles on peut déployer sa lecture critique de ce qu'est l'existence de Dieu, l'unicité, etc., etc. Et donc, les trois premières des thèses de Maïmonide, sur les 25, concerne l'infini. Il reprend, en réfléchissant un peu, mais on n'entrera pas dans le détail, il reprend les thèses d'Aristote, il n'existe aucun corps, aucune substance infiniment grande. Deuxièmement, il n'existe pas de nombre qui puisse être dit infini, il y a seulement la possibilité d'augmenter un nombre de données.
Et enfin, la chaîne qui remonte des effets aux causes n'est pas l'infini. Donc il n'y a pas d'infini régressif. Et cette chaîne nous fait parvenir nécessairement à un premier terme, lequel est une cause sur cause qu'on peut philosophiquement assimiler à l'époque. Bon, il y a beaucoup de choses à voir dans l'exposé de Maïmonide, mais ce ne sont pas les infléchissements de Maïmonide qui nous intéressent ici. Frescas va récuser. Il va récuser la majorité des 27, des 25 thèses énoncées par Maïmonide, et tout particulièrement les trois premières consacrées à l'infini. Il considère que certaines conséquences tirées de ces thèses sapent les fondements de la religion. D'accord ? Et que du reste, et c'est ça qui nous importe, elles sont philosophiquement contestables. C'est ça qui est intéressant. Je vais utiliser à mon tour la raison critique dont ils font grand cas pour montrer qu'on peut énoncer d'autres conclusions, lesquelles, selon lui, sont plus compatibles avec l'enseignement de la tradition. Alors, c'est ce que j'ai appelé une théologie de l'infini, une science de l'infini. Reprenons l'une après l'autre. Les thèses maïmonidiennes, l'analyse de Frescas se déploie en trois temps. Après qu'il a exposé l'argumentation de l'adversaire, et ma foi, de manière très fine, je vous ouvre une petite parenthèse. Frescas ne connaît pas la célèbre, bien entendu. Il va donc étudier, il étudie quoi ? Il n'étudie pas Aristote non plus, il étudie les commentaires qu'Averroès, XIIe siècle, savant arabe, a consacré à la plupart des œuvres d'Aristote. Ses commentaires ont été traduits en hébreu, il y a peu de temps d'ailleurs, par rapport au XIVe siècle. Donc vous voyez l'enchaînement. Aristote, mais Aristote traduit en arabe, l'Aristote arabe commenté par Averroès, traduit en hébreu, nous arrivons ici, et il arrive parfois, je l'ai fait quand je passais ma thèse il y a pas mal d'années, vous comparez un énoncé du texte grec d'Aristote à l'énoncé hébreu que commande Frescas, vous êtes stupéfait par la fidélité, ou en tout cas la précision. C'est juste pour dire que la perte dans cette chaîne de transmission était assez limitée. Peut-être pas dans la littéralité, mais ce n'est pas ça l'important. C'est-à-dire la perception et l'intelligence qu'ils avaient, ils n'étaient pas seuls, Frescas, c'est valable pour tous les médiévaux, on pourrait trouver ça aussi dans d'autres traditions. Mais la précision avec laquelle ils avaient perçu ce qui se jouait là-dedans peut déborder, si j'ose dire, les pertes fatales qu'il y a dans cette chaîne de tradition. Et l'ensemble, il va mettre en cause l'ensemble de l'argumentation aristotélicienne sur l'infini et remettre en cause les principales conclusions de Maïmonide sur ce plan. Alors, parlons maintenant en termes scientifiques des thèses qui sont énoncées même sur le mode critique. Parce qu'il dit la chose suivante, dès lors qu'on n'adopte pas le cadre strict de la définition d'Aristote, eh bien on a plus de possibilités d'avancer. Par exemple, Aristote convoquait un argument très fort contre l'idée d'infini en acte, contre l'idée d'une substance infinie, contre l'idée d'un tout infini, contre l'idée d'un corps infini. Et c'était l'idée, que tout le monde comprend, que le tout doit être toujours plus grand que sa partie. Bon. Mais Frescas, il n'est pas le seul à l'avoir fait, enfin ils sont assez rares. Il conteste pour sa part la validité de cette prémisse, à savoir que le tout doit être toujours plus grand que la partie. Donc, vous voyez un petit peu le genre de paradoxe, ou peut-être certains d'entre vous sont plus familiers de la manière dont Galilée a rapporté ces fameux paradoxes. Si je dis qu'il existe, disons, parlons aujourd'hui, un nombre infini, bon, on est bien d'accord qu'il y a plus de nombres entiers et tout court que de nombres pairs, d'accord ? Ou que de nombres impairs. Personne n'osera dire évidemment la moitié. Bon. Autour de ça, c'est des arguments, ceux qui auraient, ceux d'entre vous, ou ceux aurait étudié les discussions sur l'infini dans la scolastique latine. Il y en a des dizaines. Au XIIIe, au XIVe siècle, il y a des choses extraordinaires dans ce domaine. Bon, ce sont ces arguments-là qui étaient visés. C'est-à-dire, mais comment contourner cette espèce de mur conceptuel qu'on nous oppose en nous disant c'est pas possible. Bon, un tout infini ne peut pas être plus grand qu'une de ses parties qui serait aussi infinie. Donc autour de ça se joue quelque chose. Alors, juste, je signale la manière dont Frescas résume, il y a beaucoup d'arguments qui ont leur histoire et qui convoquent,
pour contourner cette aporie. L'impossibilité pour un infini d'être plus grand qu'un autre infini ne vaut que du point de vue de la mesure. Vous prenez le mot mesure en un sens très vague, il n'est pas question de convoquer les intégrales de Lebesgue, bien entendu. Ne vaut du point de vue de la mesure, ou on dirait plutôt de sa mesurabilité, c'est-à-dire sa capacité de le quantifier. D'accord ? Autrement dit, lorsque nous utilisons le terme, c'est Kreskaz qui parle, plus grand que, nous avons vu plus grand que selon une autre mesure, une certaine mesure. Mais ce qui est infini n'est pas susceptible de mesure. Ça reste vague. Pas question de me faire dire qu'il anticipe les distinctions qui seront faites au XIXe siècle par Cantor et Dedekind. Mais, le fait de tourner autour, il n'est pas le seul, je le répète, de tourner autour de ces apories. Premièrement, d'accord, Aristote nous a dit là, bon, obstacle définitif, vous ne pouvez pas le contourner. Et si nous avancions, il ne le dit pas lui, dans une autre définition de la relation plus grand que, plus petit que, être égal à, alors on pourrait peut-être contourner cette apories. C'est ça qui est à l'horizon de cette pensée. Certains scolastiques latins sont allés plus loin, mais notre propos aujourd'hui n'est pas la scolastique latine. Donc, son souci ici est d'abord et avant tout doté aux aristotéliciens, et principal d'entre eux dans le monde juif maïmonide, les certitudes qui font leur propre représentation. Que font leur propre représentation? C'est ainsi qu'il faut comprendre son insistance à écarter toute idée de comparaison entre des infinis qui seraient supposés différents. Alors que nous savons, si je continue à dire, on ne va pas parler de Cantor, et je parle quand même de Cantor, la force de Cantor au XIXe siècle, pour proposer une théorie mathématique, quel qu'en soit l'avenir, dans lequel il y a une échelle, dans lequel il définit une arithmétique. Et quand il propose cette théorie à la fin du XIXe siècle à ses pairs, L.I.R.S., c'est une théorie mathématique. Là, il ne s'agit pas de ça, mais on sent que dans ce qui est proposé ici de manière tout à fait vague, parfois un peu plus précise dans certains textes latins et dans quelques textes arabes, parfois de manière plus précise, c'est de ce côté-là que quelque chose s'est joué. Donc, quand il nous dit, je cite, quand nous disons qu'un infini n'est pas plus grand qu'un autre, nous ne pouvons pas dire par là qu'ils sont plus gros. Quand deux nombres, un nombre qui n'est pas plus grand qu'un autre, ils sont égaux. Bon, ça c'est bien dans le cas de l'arithmétique finie. Et le terme égal ne s'applique pas à l'infini. Ce que nous entendons par là, c'est qu'il n'est pas dans la nature de l'infini d'être plus grand ou plus petit qu'un autre infini. Il n'ira pas plus loin. Il n'ira pas plus loin, mais c'est déjà pas mal. Et pour légitimer l'idée d'une science divine infinie, l'omniscience du Dieu est infinie, on va voir, je ne dépasse pas l'heure, pour en dire un mot. Il n'hésite pas à énoncer une propriété qui nous paraît évidemment tout à fait excitante, parce qu'il dit, bon, peut-être que pour comparer deux infinis, on pourrait voir comment ils se correspondent. Le mot correspondre, je l'utilise parce qu'il y a, il y a dans certains philosophes arabes qui seront convoqués dans l'analyse de Kreskaz, qui ont utilisé ce qu'on appelle la preuve par la correspondance. Mais ne prenez pas la correspondance au sens strict comme une bijection, mais il y a quelque chose de ça. Je n'en dis pas plus. Alors, deuxième conséquence, je passe de manière un peu brutale, la notion de vide. Je vous disais que la notion de vide était récusée de manière catégorique par Aristote, la physique, il y consacre au moins deux des livres. Et elle est associée, la notion de vide, à la notion de lieu, le lieu d'un corps, le topos d'un corps, le situs, comme on dirait en latin, et la théorie du lieu d'un corps pour Aristote, le lieu d'un corps, puisque tout corps est dans un espace qui est lui-même plat, le mot espace n'est pas grec, et donc comment concevoir le lieu? On a besoin de parler du lieu, puisque pour définir le mouvement, il y a un mouvement naturel du corps vers le lieu naturel, de bas en haut quand il s'agit d'un corps grave, hein. Et le lieu va être défini par Aristote comme étant la surface interne du corps qui l'enveloppe. Donc, ce portable, il est là, dans cet espace plat, je vais appeler le lieu de ce portable.
portable, ce qui l'enveloppe, je vous décris avec ma main, la surface intérieure. Ça marche, hein. Ça fait pas beaucoup de mathématiques, physique, bien sûr. Mais c'est avec cette théorie du milieu qu'Aristote se débattait. Mais l'objection que va lui faire Frescas à cette théorie, c'est de dire qu'on peut parfaitement imaginer que le lieu d'un corps puisse être la portion de vide qu'il vient d'occuper. Alors, on va aller plus loin, il ne faut pas sauter là-dessus, ce n'est pas Pascal. Même l'idée de vide, c'est tout simplement une critique de l'idée que l'espace est plein. Mais l'idée de vide qui va, comme dit Frescas, recevoir les dimensions d'un corps abstrait, mais là aussi, nous n'excitons pas sur le mot abstrait. L'abstrait, c'est d'ailleurs l'abstrait de la matière. On peut penser à un corps qui vienne occuper dans un vide, si vide il y a, une portion d'espace. Pourquoi ? Alors, l'objection fondamentale qui était opposée à cette idée dans le monde aristotélicien, c'est que les corps ne peuvent pas s'interpénétrer. Et donc, pour récuser cette impossibilité, on dit qu'on peut très bien imaginer par la pensée. Et là, je gauchis Alexei, la pensée de Frescas, en disant qu'il aurait pensé à une expérience de pensée comme Galilée plus tard. Mais l'idée est présente que ce n'est pas un obstacle de dire que les corps ne peuvent pas s'interpénétrer, dès lors que je pense que dans le vide, que le vide existe, et que dans ce vide, je peux imaginer qu'un corps vient de prendre place dans une portion de vide, point barre. Il n'y a aucune autre définition du vide, et a fortiori une localisation précise dans le vide. Mais ce qui importe beaucoup à Frescas à ce moment-là, c'est qu'il trouve que la notion de lieu qu'il définit ainsi marche très 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 bien avec une notion religieuse qui est le nom divin de Dieu. Alors là, on va passer au versant science de la tradition. Parmi les noms divins de Dieu, dans la tradition juive, biblique et post-biblique, il en est un qui est le Dieu. Alors le Dieu se dit en hébreu Makom, il y a au moins 400 occurrences du mot lieu dans la Bible pour désigner un emplacement, une organisation, mais dans la tradition rabbinique post-biblique, à un moment donné, on a considéré qu'on pouvait aussi associer à Dieu la notion de Dieu, et que c'est un nom divin. Pas difficile de développer beaucoup plus que ça. Il y a de nombreuses formulations, y compris dans le rituel, dans les prières, où il est question du lieu, que la gloire de Dieu soit bénie en son lieu, que sa gloire remplit le lieu. Bon, c'est-à-dire, ce qui nous importe ici, c'est que l'analyse critique que Frescas fait de la notion de lieu chez Aristote et chez Maïmonide, la conclusion esquissée, ébauchée, qu'on peut admettre l'idée d'un vide, on peut admettre que les corps s'interpénètrent si on considère qu'une portion libérée dans l'espace vide est un corps, on peut accepter l'idée que ça s'interpénètre avec un autre corps qui, dans le mouvement, vient l'occuper. Et c'est ça qui importe à Frescas. Cette manière de considérer le lieu topos est compatible avec le lieu comme nom divin. Bon, ça ouvre beaucoup de questions, aussi bien en amont, c'est-à-dire où est-ce qu'il est allé chercher ces choses-là, on va en parler ici, mais ça permet de comprendre comment ici les considérations religieuses, on est comme ça, je veux dire, sont convoquées et peut-être aiguillonnées aussi son analyse critique. J'utilise beaucoup de métaphores, parce que je ne fais aucune théorie en matière. Et de toute manière, pour parler de Frescas en particulier, j'ai pas mal étudié, son problème n'était pas de faire une autre théorie. Il n'en avait rien à faire, je veux dire, de présenter une théorie à un congrès du CNRS, juste dans l'Espagne à nouveau pacifiée. Mais dans la production
de cette dénonciation au critique, avec en tête de sa part à lui ce qu'il pensait être des effets négatifs de l'excès de spéculation philosophique, il avait répondu à deux questions. Votre théorie, vous, M. Aristote et les éclateurs d'Aristote, selon lesquels il n'y a pas de vide, ne tient pas, et on peut parfaitement envisager qu'il y a un vide. Et ajoute-t-il, et ça c'est à l'endroit de Maïmonide qu'il s'adresse, et on n'a pas besoin, M. Maïmonide, de faire des tas de considérations sur ces propositions qui sont dans les textes rabbiniques sur le Dieu comme nom divin. On n'a pas besoin d'allégoriser, parce que vous savez que un des outils principaux de ce mouvement de la rencontre entre philosophie et théologie, qui remonte d'ailleurs aussi bien à la philosophie musulmane, c'est ce qu'on appelle l'allégorisation. C'est-à-dire, si vous êtes perplexe, si vous êtes un peu égaré, parce que vous ne savez pas trop comment comprendre les formules anthropomorphiques dans la Bible, vous ne savez pas trop comment accepter l'idée que lorsque, à la bataille près de Jéricho, Moïse levait les bras, les Hébreux avaient la victoire, et quand il baissait les bras, c'était la défaite. On peut donner du sens à ces propositions du texte des Écritures saintes en allégorisant. C'est une longue histoire, et il ne faut pas en rire, c'est-à-dire l'allégorie a produit aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais ce qui est pointé ici par Frescas, ça consiste à dire qu'il n'y a pas besoin d'allégoriser. Hein. Vous n'avez pas besoin de dire que ces formules, pardon, certaines sont dans le rituel encore, dans le rituel religieux, quand on dit que soit bénie la gloire de Dieu en son lieu. D'accord ? Donc Frescas s'adresse à Maïmonide, il dit vous n'avez pas besoin d'allégoriser là-dessus. Vous n'avez pas besoin de dire « Ah ben, l'usage du lieu comme nom divin, c'est uniquement pour marquer l'élévation, le degré d'élévation du Saint béni soit-il, de Dieu. Bon. » Il faut le prendre au pied de la lettre. Comme Dieu remplit le monde, et ben, on peut dire que la mort de Dieu remplit le monde. Comme Dieu est lieu lui-même, il est lieu, on peut très bien dire que soit béni la gloire de Dieu à partir de la gloire de Dieu à partir de son lieu, etc. C'est cette rencontre qui m'a porté ici de souligner. D'autres arguments, donc à partir de là, Frescas va conclure qu'un corps infini n'est pas impossible, contrairement à ce que dit Aristote, contrairement à ce que dit Maïmonide. Il considère que le vide qui s'étend au-delà de la dernière sphère céleste peut très bien être considéré comme infini. Rien n'empêche du reste de considérer que le vide est habité par d'autres mondes, régis par des lois physiques analogues au monde que nous connaissons. Là aussi, l'argumentation entre guillemets scientifique recoupe selon Frescas des enseignements. On peut trouver ça et là l'idée de 18 000 mondes, on peut trouver aussi dans certaines légendes rabbiniques que la création du monde n'a pas été faite du premier coup. Il y avait un premier, un deuxième, un troisième, et il y a quelque chose d'un peu savoureux dans cette tradition rabbinique qu'on appelle le Midrash, qui dit bon, tous ces mondes étaient imparfaits. D'accord ? Parce que Dieu n'arrivait pas à savoir s'il devait les fabriquer selon la rigueur, c'est-à-dire bon, ça va marcher comme ça et pas trop, ou selon la miséricorde. Et donc il a compris qu'il fallait que ce soit un équilibre de la miséricorde et du monde. Et puis finalement, le 16e, le 30e, je ne sais plus, il l'a gardé et il a ajouté pourvu que ça marche. Bon. Donc, il faut savoir, comme sourire, ça va de soi, mais il faut savoir que ces formules-là, elles étaient présentes dans la tête de ces juifs, ça faisait partie de leur culture et de leur pratique cultuelle. Et donc, le fait d'entendre dire « Ah bon, même les sciences viennent de... Enfin, » confirmer, non, mais ne sont pas incompatibles avec ça, c'était de la part d'un responsable spirituel, un puissant moteur dans sa réflexion. Alors Frescas va aussi postuler qu'un nombre infini en actes n'est pas impossible, avec cette conséquence, évidemment je ne détaille pas les raisonnements, dans leurs détails ils sont tout à fait intéressants, avec cette conséquence, dit-il, que vous ne pouvez pas simplement, en disant les effets et les causes, d'un effet je remonte à une cause, et comme il n'y a pas de nombre infini, il ne peut pas y avoir un régressus infini, ah ben, il y a une dernière cause qui est la cause en commun. Non, si je considère qu'il existe un nombre infini,
Alors votre chaîne régressive des effets vers les causes n'a pas de raison de s'arrêter. Autrement dit, c'est pas une cause sans cause qui fonde le monde, c'est quelque chose d'autre. Vous voyez, juste l'aspect critique de cette mise en forme, de ce qui peut nous plaire, parce qu'il semblerait effectivement qu'il postule la possibilité d'un nombre infini en actes. Et c'est pas la cause sans cause qui peut être identifiée philosophiquement à Dieu. Et il a vu que ceci, bon, à part un peu qu'il souscrit, il n'y a aucune démonstration de l'existence de Dieu. Il n'y a aucune démonstration au sens des Grecs. Et donc, croire en Dieu, croire en l'existence. Il prend soin de nous dire la proposition Dieu existe, le sujet de cette proposition évidemment est inconnaissable. La seule chose qui nous intéresse, c'est le prédicat, être existant. Comment qualifier ce mode d'être qui est être existant? Bon, là-dessus, il y a aussi bien dans la philosophie musulmane avant que dans la philosophie latine après, tout un courant de discussion. En particulier, je cite ceux qui connaissent un peu les philosophes arabes, que Avicenne avait fait une distinction qui a beaucoup compté dans tout le Moyen-Âge, à propos de l'existence de Dieu. Donc, il a distingué ce qu'il appelle les êtres qui existent par soi, et les êtres qui existent par accident, c'est-à-dire qui existent par autre chose que soi. Donc vous avez compris que l'être qui existe par soi, c'est Dieu. Donc il y avait dans les dispositifs conceptuels, et bon, c'est assez élaboré la physique d'Avicenne, il y avait dans les dispositifs conceptuels de quoi, y compris philosophiquement, avec ou sans guillemets, polémiquer de ce point de vue-là. Comme il est presque moins 10, on va peut-être laisser de la place à la discussion. Je voudrais conclure en disant la chose suivante. En somme, ce que nous propose Crescas, parce qu'il y a un développement sur la science divine aussi qui est infinie. Et le savoir de Dieu est infini. Bon, et il n'est pas vrai, comme le postule de Mille et après lui Thomas d'Aquin, que Dieu ne peut être connu que par ses actions, et il ne peut être connu que négativement. Il n'est pas ceci, c'est ce qu'on appelle la théologie négative. Et s'appuyant là aussi sur des versets, Crescas dira non, il y a une certaine similitude entre l'être créé et le créateur. Il y a une certaine similitude. Qu'on voit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, donc il y a une certaine similitude, mais elle est irréductible, cette similitude à l'identification, autant que l'infini au fini. C'est-à-dire qu'il mobilise aussi la distinction fini-infini pour laisser ouverte la porte à une certaine connaissance de la divinité et ne pas, là aussi, remettre en question la théologie dite négative. Alors, si je résume la quille, vous voyez que j'ai fait un parcours assez rapide, il nous a offert, dans cette fin du XIVe siècle, début du XVe, une théologie de l'infini qui s'adosse à une métaphysique de l'infini et qui esquisse comme un produit dérivé, et je souligne le mot dérivé, disons une mathématique de l'infini. Une jolie formule pour conclure. Quelques mots maintenant, dans les quelques minutes avant que nos amis ferment la caméra. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'écho qu'a pu rencontrer le travail de Crescas? Son livre n'a eu à aucun moment la même notoriété que celui de Maimonide. Je ne dis pas de leur valeur comparée, mais il n'a jamais eu la même notoriété. Mais on peut en déceler quelques échos dans les courants anti-aristotéliciens de la Renaissance. L'ouvrage, j'ai oublié de vous dire le nom de l'ouvrage, qui s'appelle Sefer Or Adonai, le livre de la lumière de Dieu. Son ouvrage est d'une langue dense, très difficile. Il n'a jamais été traduit, même partiellement, avant la fin du XIXe siècle. Et pourtant, quelque chose a circulé chez certains personnages de la Renaissance italienne. On a trouvé des références à Crescas dans un texte latin, dû à Jean-François Pic de la Mirandole, qui est le neveu de son oncle. Son oncle est mieux connu, c'est Jean Pic de la Mirandole. Vous connaissez. Bon, le neveu, Jean-François, Gian Francisco, avait appris l'hébreu,
sur les conseils à Florence et sur les conseils de Savonarole, qui voulait que ces moines et moignons puissent aussi lire les Écritures saintes. Donc il y a eu quelque chose qui a circulé. Et on va dire qu'il va avoir du mérite pour avoir compris ce qui se tramait dans ce texte. Donc ça, je cite ça parce que ça a été travaillé par des gens autres que moi, des spécialistes de la Renaissance. Quoi. On a parlé beaucoup de Giordano Bruno. Bon, je suis réservé. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des liens ou non avec la vision infinitiste du monde de Giordano Bruno, donc fin 16e siècle, de sa vision infinitiste du monde. Le parallèle avec Trescas est légitime, le parallèle, mais sur le plan historique, il resterait à préciser les voies à travers lesquelles Giordano Bruno aurait pu avoir conscience. C'est pas exclu, mais ce que j'ai lu jusque-là n'est pas tout à fait convaincant. Il y a possiblement des chemins qu'on a pu faire, que Giordano Bruno a eu écho de certaines de ces choses-là, en particulier, je vais terminer là-dessus, sur un ouvrage qui a eu un énorme succès dans l'Italie du XVIe siècle, rédigé par un juif réfugié du Portugal et d'Espagne, connu sous le nom de Léon l'Hébreu, qui est en fait Judas Abravanel, né vers 1460. Et c'est un livre écrit en italien, Dialogue in amore, comme on comprend, Dialogue d'amour, qui a eu une énorme diffusion au XVIe siècle, qui a été traduit deux fois en français de l'époque, deux fois, par certains poètes de la Pléiade d'ailleurs, et qui a fait l'objet de 23 éditions au fil du XVIe siècle. Donc, dans cet italien, je ne parle pas de comment Léon l'Hébreu a pu écrire un tel texte en italien, là aussi ça fait l'objet de pas mal de discussions, mais il y a des rapprochements frappants dans certains développements de ce texte qui se présente sous forme de dialogue à propos de l'idée de la beauté infinie, la bellezza infinita. Bon. Je m'arrête là. Je pense que pour vous c'est bon, et nous pourrons encore, pendant les instants qui nous sont impartis, éventuellement échanger. Merci.